les joies des sports d'hiver. Au travail comme dans l'intimité, Mélissa Torio et Jamel Debbouze, qui se sont dit oui le 7 mai 2008, semblent toujours aussi épanouis et heureux qu'au début de leur relation. Ce samedi 17 février, la journaliste, productrice de documentaires et actrice de 45 ans a partagé deux tendres clichés, capturés lors d'un séjour au ski, sur son compte Instagram. Le plein d'énergie dans ma station préférée au monde, a écrit la mère de famille, qui a précisé que les photographies avaient été prises dans la station de l'Alpe d'Huez, nichée en plein cœur du massif des Grandes Rousses en Isère, à 1860 mètres d'altitude. Sur le premier cliché, la quadragénaire, dont le visage est éclairé par un large sourire, prend la pose avec son amoureux, au beau milieu des montagnes enneigées. Sur le second, on reconnaît l'humoriste, acteur et producteur de 48 ans. On distingue également deux autres silhouettes en mitouflé, que l'on devine être Léon et Lila, les enfants du couple, respectivement nés en 2008 et en 2011, et dont les prénoms n'ont pas été choisis par hasard. Supérieur à Mélissa Torio et Jamel Debbouze, l'évolution de leur couple Mélissa Torio et Jamel Debbouze, un couple discret bien que discret lorsqu'il s'agit de parler de leur vie privée, Mélissa Torio et Jamel Debbouze partagent parfois des fragments de leur quotidien sur les réseaux sociaux et dans l'espace médiatique. Au cours de l'été dernier, la journaliste s'était livrée au sujet de sa carrière et de sa vie de maman dans les colonnes de Madame Figaro. La transmission est au cœur de nos métiers, mais je n'aime pas l'idée d'éduquer avec des leçons de morale, avait-elle détaillé auprès de nos confrères. Sans qu'on l'ait vraiment cherché, nos combats parviennent à nos enfants, et leurs questionnements sont liés aux nôtres. Quelques mois plus tôt, à l'automne 2022, c'est son époux qui s'était livré lors d'un entretien accordé au JDD. Je gâte mes gosses, avait tendrement révélé l'inoubliable interprète de Numéro B dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Je n'ai pas envie qu'ils galèrent comme moi. Article écrit en collaboration avec Cimedia Crédit Photo, Dominique Jacovide. Thank you.